J'ai montré à Sega qui était le patron. Tu es très courageux. Je te protégerai contre tous les dangers. Tu es mon chevalier en armure. Tu es mon trésor. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait ma grand-mère. Mon petit oiseau, mon adorable petite fille. Mamie, où est-elle là? Désolée, je t'ai réveillée. Ce n'est pas grave. Oh, qu'est-ce qui se passe? Votre attention, Madame Foster, la reine de Trumtania, l'honorable grand-mère de Cindy est arrivée. Faites-lui place. Oh, waouh, un tapis rouge. Merci, mon cher. Bonjour, tout le monde. La riche grand-mère sait comment faire une entrée spectaculaire. Tu m'as manqué, chérie. Souhaite-moi la bienvenue. Très bien. Ma petite fille a de bonnes manières. Il fait chaud ici. Elle a vraiment tout cet argent dans son portefeuille? J'ai un appel important. Son smartphone est en or lui aussi. Parlez à ma petite fille pendant que je suis au téléphone. Bien sûr. Désolée, mes mains sont occupées. Je t'aime, chérie. Enlevez vos mains de mon visage. Au secours! Ce livre est trop ennuyeux. Ça suffit, il faut que je me repose. Je vais faire une petite pause musicale. Tu vas m'aider, mon ami. Yo, étudier, ça m'ennuie. Moi, je veux faire des trucs marrants. Cindy, quelle horrible musique! Arrête ça tout de suite. Mamie, je viens juste de commencer. Tu es une dame. Je jette ça. Faites l'aumône aux pauvres. Wow, une console de DJ! Non, c'est à moi! Quels sont cool! Je vais créer un bon beat. Voilà, je me suis débarrassée de cette chose affreuse. Cindy, viens avec moi, je vais t'apprendre la vraie musique. J'y tenais à cette console. Oublie-la, il faut qu'on développe ton oreille musicale. D'abord, apprends à jouer de la harpe. C'est encore plus ennuyeux que les devoirs. C'est un instrument noble. D'accord, grand-mère, je vais essayer. Quel son étrange. Je suis un gars ordinaire, mais mon son est légendaire. Faire de la musique, c'est mon souhait. Le monde entier va crier quand elle sera diffusée. Ce gars est trop cool. C'est qui? Je ne suis pas 69. Mes paroles, elles sont à moi. Sentez la force de ma vibe. Rassemblez-vous devant moi. Vous pouvez faire un don pour me soutenir. Merci, les gars. Le son de la harpe m'endort. Chérie, laisse grand-mère s'asseoir. Tu as l'air préoccupée. Que se passe-t-il? Grand-mère a jeté mon matériel et m'a demandé de jouer de ça. Mais moi, je préfère la musique de la rue. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Grand-mère sait quoi faire. Tiens, prends ça. Je vais te faire écouter un vrai rythme. Ouah, c'est entraînant. Mes vêtements sont classe, mais j'aime tout le temps changer. Mamie, c'est cool, mais j'aimerais que ce soit un peu plus rapide. Mon cœur est pur, ce son est un remède. J'aime la liberté. Allez tous, venez! Le cœur de la pauvre grand-mère arrive à tenir le tempo. Ma musique se diffuse, laisse les gens parler. Mon son est de qualité, les rimes fusent. Mon nom est Cindy, tu vas m'adorer. J'ai presque terminé mon devoir. Oh, j'ai trop faim. J'ai envie de manger un morceau. Il faut que je finisse d'abord. C'est moi, Taylor. Je vaux de l'or. C'est pas mal. Ma Cindy adore ce genre de musique. Je suis assis sur le trône. Bougez sur mes paroles. Qu'est-ce que c'est? J'entends le ventre de Cindy qui gargouille. Taxi! Ici! Ah, mon porte-monnaie est vide. Ma petite fille doit avoir faim. Hé, jeune homme! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Veuillez aider une mamie. Dites-moi où on va. Allez, dépêchez-vous. Le plus important pour une mamie est que sa petite fille mange bien. Dépêchez-vous, plus vite! Il y a beaucoup de touristes ici. Je vais prendre une photo avec la tour. Mes amis vont être jaloux. C'est quoi ce bruit? Ma Cindy a faim? Serviteur, en hélicoptère immédiatement! La voie est libre. Entrez, Madame Foster. Ah, qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Mange, mange. Grand-mère, tu fais les meilleures tartes du monde. Bonjour, Alice. Il faut que je m'assoie. Je t'ai apporté un croissant doré de Paris. Il est froid, reprenez-le. Comment oses-tu t'opposer à moi? Quoi? Mange, chérie. Ta cuisine est ignoble. Alors, je peux manger? Bien sûr, chérie, ne l'écoute pas. Tu te crois trop importante.
Ou peut-être que toi, tu devrais être une meilleure mamie. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Serviteur, venez ici. Je l'ai mis au four pour le faire dorer. Vous pouvez disposer. Cindy, regarde comme c'est beau. Goûte. C'est magnifique. Tu vois, elle aime bien. Très bien, vieille femme. Tu l'as cherchée. Voyons qui est la plus forte. Quoi? Très bien, je suis prête à me battre. Non, grand-mère, arrêtez, c'est ridicule. Oh, mon pauvre dos. Je ne suis pas aussi souple qu'avant. Ce n'est pas un ralenti, elles sont juste vieilles. S'il vous plaît, arrêtez, vous vous comportez comme des enfants. Tout a de la valeur ici. Évidemment, regarde, je me suis fait poser des dents en or. Tu es sérieuse? Ma pauvre mâchoire ne supporterait pas un tel choc. Il faut que je remette ça. Tu aurais aussi bien besoin d'un soin dentaire. Tout le monde n'est pas aussi riche que toi. Arrête de te moquer de moi. Désolée. Oh, j'ai oublié de te montrer ma canne. Elle est incrustée de pierres précieuses. Elle brille de mille feux, comme moi. Une canne avec des diamants? Quelle frimeuse! Il y a beaucoup de choses de valeur dans cette maison. Ah, qui êtes-vous? Hé, mamie! Donne-moi tout ton argent. Andrew, venez ici! Qui appelez-vous? Qu'est-ce qu'il y a, Madame Foster? Cet homme me demande de l'argent! Très bien, attendez une minute. Tenez, prenez ça. Waouh, tout ça, c'est pour moi? Qu'est-ce que vous faites? Vous étiez censé me protéger, pas faire de la charité! Ne t'inquiète pas, Alice, je vais arranger ça. J'ai une idée. Heureusement que j'ai pris ça avec moi. Je savais que ce serait utile. Attention, vous, le voleur! Vous ne pourrez pas vous échapper. Je vise très bien. Non, ayez pitié de moi. Vous allez avoir ce que vous méritez. Ah! Quelle brioche moelleuse! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Vous cuisinez très bien. Servez-vous, ne soyez pas timide. Merci, c'est délicieux. La nourriture des grands-mères, c'est la meilleure. Mamie, je suis rentrée. Oh, tu es déjà rentrée? Regarde le jean que j'ai acheté au centre commercial. Il est déchiré. Mais qu'est-ce que tu as acheté? Donne-le-moi. Grand-mère va le recoudre. Mais c'est la mode. Bon, tant pis, je vais jouer à la console. Je ne comprends pas ce genre de mode. L'aiguille est tellement fine que je ne la vois pas. Oui, la vue de grand-mère n'est plus aussi bonne qu'avant. Qu'est-ce que tu fais? Je veux coudre le jean de Cindy. Regarde ce truc. Laisse-moi essayer. Ça m'étonnerait que tu y arrives. Andrew, venez ici. Ah, j'ai une bonne vue. Mais mes mains n'obéissent pas. Andrew! Voici vos lunettes, Madame Foster. Avec elles, vous pourrez voir les détails. Merci, mon cher. Une grand-mère riche n'a jamais de problème de vue. Je vois très bien maintenant. Donne-moi un fil. Qu'est-ce que tu fais? Je dois bien viser. Oui, dans le mille. Comment c'est possible? Grand-mère, ne t'énerve pas. Tu veux jouer avec moi? Bien sûr. Appuie sur les boutons. Waouh, tu es douée. Qu'est-ce qui se passe? Yes! J'ai gagné. Mais comment? Je suis une gameuse maintenant. Oh, Taylor m'a envoyé un texto. Waouh, c'est poussiéreux ici. Achoum! Je fais une allergie. Achoum! Mon nez me chatouille. Bizarre, moi. Ça va? Je dois vérifier l'état de propreté de cette pièce. Oh! Cindy, qu'est-ce que c'est? Andrew, venez ici. J'ai vu un balai quelque part par là. Grand-mère, je nettoierai plus tard. J'arrive, Madame Foster. Oh, je vais avoir besoin de ce truc. Andrew, nettoyez. Je l'aurais fait moi-même. Pourquoi tu l'as appelé? Sortons d'ici, chérie. Ne respire pas la poussière. C'est vraiment poussiéreux ici. Mais ce n'est pas grave. Je vais nettoyer. Oh, il faut que je lave sous le canapé. Je ne peux pas. Oh, ne vous épuisez pas, fiston. C'est trop lourd. Je n'y arrive pas. Je dois faire une pause. Oh. Les jeunes n'ont pas de force. Donnez-moi une serpillière. Je vais laver moi-même.
Waouh, elle est trop forte. Apprenez-moi tout ce que vous savez. Je serai votre maître. Vous avez aimé notre vidéo? Alors mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt !